attention, ça n'enlève rien à sa Richie. Quel que soit son Aldi Richie, premièrement, je m'en fous éperdument. Deuxièmement, Richie connaît ça m'a dit et ça m'a fait. So, c'est un ami. Et il connaît pas pertinemment que si m'a dit un bagage, c'est pas par méchanceté que m'a dit. Arli chita la kali, et puis c'est lui-même qui a fait musique pour contre lui. Seconde diversité qui manquait, pour moi-même, une diversité qui manquait. Ça veut dire que monsieur a une idée fixe sur gens qui fait musique, which is good. Ok. Je voulais faire plaisir à la gente féminine qui en bas là, nombreuses. Elles sont plusieurs à nous regarder tous les matins. Et ça nous fait plaisir. Mais, Aïe. On saute dans la parole là, et puis Jean-Louis Guerlain se répond nous. Aïe, monsieur, il est Aïe, sien. Nous, tout connaît son faux nom. Son nègre que madame n'y pas avlé sur Facebook, et puis il choisit son nom, et pour le bâtir, pour madame n'y pas, ou du moins vice versa. Le contraire. Tant pis, parfaite discussion avec moi. Sim, dis-nous que album ça a prêté un classique. Et m'pou koukoun si Arli a fait yon lot kon sa. Li ka toujours fait bel album, mais pou koun yon s'arrête yon classique. J'exagère. Et yon défi pour Arli, tant pis, pas goumen ak mwen pour ça. Merci. Ok, ça c'était Aï qui lançait commentaire ça. Et puis, on partenaire qui est les Jean-Louis Guerlens qui répond. Et moi, mes réponses, Guerlens, hein, monsieur, on répond simple. Monsieur dit, un bel album, Pavel dit, c'est un classique. C'est vrai. J'ai pu réaliser quelque chose. J'ai pu, sincèrement, me fait réaliser un bagage là. Et me fait réaliser un bagage là. Arli prend mesdames, yo. With the words, the lyrics. Et mes impressions, monsieur a chanté, c'est pas une impression, c'est peut-être une certitude. Et c'est ça que fait justement, il prend mesdames, vous amen. Monsieur a chanté, monsieur a mette vécu mesdames en chanson. Monsieur a chanté ça, mesdames, à vivre dans le foyer, la caille. Et puis, sortant de là, mesdames, finement enragé au Arli. Is the best, Arli is the best. Bah, dit Arli, pas de best, non. Attention, c'est pas samedi. Mais il vous a tenu, il vous tient par les mots. Les mots qu'il utilise dans ses chansons. Même j'en étais fou à une époque donnée aussi pour Alain Cavé. Mais moi-même, moi, j'ai des. Pour sensibilité musicale, pour petit bagay, tout petit que me connais dans la musique là, je ne pas vouloir dire que j'ai un problème avec la musique Arli, mais disons, m'a cherché une façon pour me pas, premièrement pour ne pas exagérer, deuxièmement m'a cherché une façon pour ne pas être méchant. Musicalement parlant, c'est vrai que monsieur Kembe Mounio, monsieur prend Mounio avec parole la paléo, monsieur mettait en musique tout ça Mounio a passé dans coupio caillou bazar. Musicalement parlant, gon monotonie qui frisait l'indécence pour moi-même. C'est une opinion tout à fait subjective. Et ça fait que musique yo pas jamais. Musique yo pas arrivé sur moi. I'm sorry. C'est peut-être des musiques qui fait hit, c'est peut-être des musiques qui des musiques qui sont aimées par la gente féminine. Parce que tout simplement, on est qui décide prendre ça à vivre dans le caillou et puis mettre en musique. Et puis, il est content, il est émerveillé par cela. Et ça fait plaisir. Il n'y a pas de sortir de là. Même musicalement parlant, nous ne pouvons pas passer ça, pas vrai? Nous ne pouvons pas permettre de ça.
que musicalement parlant, je ne pas retrouver dans la musique parce que il y a un linéaire là-dedans qui pour moi-même frisé dans des sens. Il y a une monotonie là-dedans qui dérangeait. Bon, je ne vais pas dire qu'il frisait. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire ça. Il y a une monotonie là-dedans. Musicalement parlant. J'ai bien dit musicalement parlant qui dérangeait un petit peu. So, mais ça n'enlève pas que ce sont des musiques qui sont extrêmement populaires et qui sont aimées par que moun remet en pile et que le fille que le garçon moun konn wè garçon il campé devant li k'ap chanter like you know, but, mais quand tu as quand une personne a plus ou moins un petit bah dans la musique ou pas réceptif à n'importe bagaille. Pour moi-même, c'est là, moi, c'est ça qui fait choix musicalement et différent. Tu vois, c'est pas que il n'est pas qu'à faire l'autre bagaille. Bien sûr que le café l'autre bagaille. Mais monsieur Jeannot formule qui a marché et qui fait son bonheur. Qui fait son bonheur et puis qui fait aussi que ça coule bien pour ses finances. Alors, il continue la donne. Et un peu le monde a fait même bagaille là. Un peu le monde fait même bagaille là d'ailleurs. What you would say, so that's about it. Yeah. Qui t'aime faire des bagages qui n'a même sens, dans la même ligne, mais qui est différent. Musicalement parlant. Parce que ce qui s'est arrivé à Ali, Ali chita la kali, et puis c'est lui-même qui a fait musique pour contre lui. So gon diversité qui manquait pour moi-même gon diversité qui manquait avait dit que monsieur gon idée fixe sous genre que le fait musique which is good mais nous est ça que t'es Richie pas vrai nous pas jamais senti ça que Richie dans anglais nous pas jamais senti ça nous pas jamais réalisé qui ça que Richie dans anglais parce que chaque fois anglais gon production c'est Richie qui compte faire. Mais monsieur tellement fait hit. Chaque fois que met ton bagage dehors, tellement fait hit que Livin obligé à mettre même bagage dehors à un certain moment, Livin monsieur vient saturer. L'homme de Livin saturer la même bagage dehors, oreilles mounio vient saturer. Oreilles mounio vient saturer. Parce que chaque fois que on mélodie a fait, chaque fois que on musique a joué, on sentit ça qu'elle venir après. Il fait plus de 10 ans la fait à un moment donné, psh, that's it. Zoré Mounio vient saturer avec même bagarre. Il y a besoin d'un petit changement. Qui ça que t'es fait? Hit dans l'album classe d'abord. Album classio, hit là. C'était Denner Seyid. Musique Richie t'es connu. Grande différence. Mais Richie commence d'abord avec les chansons de Denner Seyid. Ça n'enlève rien à sa Richie. Yeah. Attention, ça n'enlève rien à sa Richie. Quel que soit son Aldi Richie, premièrement, je m'en fous éperdument. Deuxièmement, Richie connaît ça m'a dit et ça m'a fait. So, c'est un ami. Et il connaît pareil pertinemment que si m'a dit un bagage, c'est pas par méchanceté que m'a dit. Monsieur vient saturer parce que la bête même bagaille pendant plus de 10 ans dans Zinglin et puis là il vient faire classe ou vient ouais presque même courbe mélodique yo, presque même bagaille dans classe et les chansons qu'il avait délivrées dans classe yo étaient connues par le public parce que c'était Richie quand même de quoi on parle de Richie. Un gros maestro qui fait des bagailles extraordinaires dans HMI. Mais le hit a été apporté par Denner Seyid parce que c'est ton nouveau souffle. Le hit a été apporté. Le premier hit de classe, hit, a été apporté par Denner Seyid. Vous comprenez? Allez, on va dans la même ligne. Mélodie, belle mélodie, qui a parlé de filles, qui a parlé de ceci, de cela. Mesdames, vous apprenez ça, parce que je sentis que nous. Je sentis que nous gagnons. Attention, je ne vais pas
m'a pas voulu nous faire aucun bail bizarre, non, on va là, nous commençons très bien, n'a pas qu'un bel anti-communauté en famille, hein, n'a pas qu'un bel en famille, nous qu'à discuter, nous qu'à faire débat, yon à clotte, mais débat dans le respect. Tel monde pas obligé d'accord avec ce qu'on dit, tel monde pas obligé abonder dans le même sens avec vous. Ok? Faut être tolérant. Et puis, encore une fois, les hommes d'Abdil Daléa, nous débat, c'est les mêmes qui puis bon, parce que du choc des idées, jaillit toujours la lumière. Alors, nous avons fait débat. Moi-même, on a fait débat. Mais et, dans le respect. Dans le respect. Avec beaucoup de courtoisie. Ok, mesdames, je vais pas passer cette musique pour nous. Je vais passer pour nous. Et puis Nadim ça ne passe parce que c'est dans même ligne bah d'amour c'est cela bah mais avec une différence énorme.